Mais c'est pas vrai. Hein. C'est toujours mieux que de se faire attraper en prenant l'ascenseur. Ouais, je veux bien, mais... Plus que 59 étages. C'est rien du tout. On va pas en faire une course. Calmez-vous un peu. Je me demande à quoi ressemblent les derniers étages. La sécurité sera renforcée. Les services les plus importants sont en haut. En plus, on sera crevés quand on arrivera. Il faut qu'on ménage nos forces. D'ailleurs, ça vous dit de faire une pause? T'exagères. Ça va, ça va. Faut plus rigoler. Si c'est trop dur pour toi, faut nous le dire. Trop dur? N'importe quoi. Arrêtez tous les deux. Utilisez plutôt votre souffle pour grimper. Tifa, j'ai rien fait. J'accepterai les réclamations quand on sera en haut. Attends. Le département recherche et développement. C'est vraiment tout en haut. Oui, t'as tout compris. Ça tombe bien. J'adore la randonnée. Cloud, tu restes avec Barrett. Ok. Je t'entends plus. Je m'occupe de Barrett. Désolé, frérot. Tu veux pas me pousser? Sûrement pas. Escalier, il continue jusqu'à quand?
Qu'à leur demander aux escaliers. Ça m'étonnerait qu'ils répondent. Cloud. Cloud. Tu recommences. J'essayais de faire une blague. C'est bien chiant, mais au moins on doit pas se battre. Dis pas ça. Quoi? Tu vas nous porter l'honneur. Ouais. Quand on parle du loup, tout ça. Se réjouir, hein? Si, mais en silence. J'allais ma claque! Je redescends! Tu sais, il y a un paquet d'étages jusqu'en bas. Je déconne pas, attends. On y est. Enfin. C'est maintenant qu'on passe aux choses sérieuses. Allez. On y va. Soixante-dix, quatre-vingts, quatre-vingt-dix, cent, 110. Sursaturation de Mako détectée. Lançons le refroidissement avec la matière réfrigérante. Madame, c'est l'heure de votre réunion. Silence! Tu ne pouvais pas trouver pire moment pour m'adresser la parole. La concentration en Mako et la structure des Materia sont toutes les deux stables. La masse de la Materia nucléaire a augmenté! Oh.
Montrez-moi donc comme vous êtes superbe. Facteur irrégulier détecté. On s'en va. L'augmentation dépasse les valeurs de référence. Cristallisation globale dans tous les incubateurs. On perd le contrôle. Vite, il faut arrêter ça. Occupez-vous de me nettoyer ça. Oui. C'est ça le hall panoramique. Je vois qu'on se refuse rien à la Shinra. Allons-y. Qu'ils se disent sûrement. Ils se rendent même pas compte que chaque jour, chacune de ces lumières consume notre planète à petit feu et abrège sa vie. Ils l'ignorent, ces idiots. Oui. Dire que moi aussi j'ai trouvé ça joli. Là pour la visite éducative. Les participants ont accès aux étages 60, 61, 62 et 63 à visiter dans l'ordre. Nous vous demandons de respecter cet ordre. À chaque étage se trouve une machine que vous devrez utiliser afin de mettre votre carte d'accès à jour. Ceci vous permettra alors d'accéder à l'étage suivant. Et maintenant, nous espérons que vous apprécierez votre voyage dans le monde de la Shinra. Mais qu'est-ce que c'est chiant, tout ça ! Dites, vous trouvez pas que c'est bizarre ? Le plan fonctionne un peu trop bien. Je me disais aussi. Un piège ? Ah ! Qu'ils viennent, si c'est ça ! Ils vont pas être déçus. Vous allez inspecter les réacteurs Mako ainsi que les piliers. Oui, c'est ça. Dans leur intégralité. Il pourrait y avoir des impacts sur les autres réacteurs. Si vous remarquez la moindre anomalie, informez-moi sur le champ. Excusez-moi de vous déranger. Pardon, je vous écoute. Voici le rapport de sinistre de la zone du secteur 7.
Monsieur, vous devriez vous reposer un peu. Non. Je dois finir ça avant la réunion. Le compte-rendu des dégâts et l'ébauche du plan de reconstruction. Comment peut-on écraser tout un quartier? Quelle qu'en soit la justification. C'est de la pure folie. Monsieur le directeur, je me permets de vous rappeler qu'en réunion, vous devrez surveiller vos paroles. Oui, je le sais bien. La visite guidée du siège de la compagnie Shinra va commencer. Non, mais vous êtes sérieux, là? Ici, au musée mémorial, vous allez découvrir en trois sections une rétrospective sur la vie et l'œuvre de notre président, mais aussi les divers domaines d'activité développés par notre compagnie et des informations sur la cité et l'exploitation de l'énergie Mako. C'est bon, gâte ta salive. Ça me donne envie de vomir. Ce gars est vraiment imbu de lui-même. Messieurs, dames, appréciez-vous ce voyage dans le monde de la Shinra? Nous espérons que vous avez appris beaucoup sur la Shinra et son président. N'est-ce pas une chance incroyable de pouvoir voir tous ces objets lui appartenant? Dans la prochaine partie, vous allez pouvoir en apprendre plus sur les activités de la Shinra. Nous allons vous exposer en détail chacun de nos départements. Vous allez probablement apprendre des choses que vous ne saviez pas encore sur la Shinra. Vous n'êtes pas au bout de vos surprises. On les connaît bien, ceux-là. Ils en ont perdu des unités à cause de nous. Veuillez nous excuser. L'exposition du département de l'armement est en cours de maintenance. Bienvenue à la Tour Shinra.
Je suis le directeur du département de l'exploration spatiale. Notre mission était d'utiliser les puissants systèmes de propulsion de nos missiles pour aller explorer l'espace et récupérer un maximum de ressources. Malheureusement, maintenant qu'on a la Mako, ce n'est plus nécessaire et nos projets sont tous en suspens. Je trouve que c'est quand même dommage. Incroyable, non? La Shinra fait de son mieux pour développer ses activités, travaillant toujours plus pour le bonheur et la sécurité des citoyens de Midgard. Notre but est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour assurer la tranquillité de tous nos concitoyens. La maquette qui se trouve devant vous est une reproduction au 1/10 millième de la cité de Midgard. Comme vous pouvez le voir, il existe 8 réacteurs Mako disposés en cercle autour de la ville. Ils ont pour fonction d'alimenter chaque jour la cité. L'énergie Mako est une ressource naturelle inépuisable issue du sol que nous exploitons pour le bien de la population. Nous commençons par l'extraire, puis nous la convertissons en électricité où nous l'utilisons comme combustible ultra-performant. Le don de l'énergie Mako a apporté de nombreux bienfaits à l'ensemble de la population. Grâce à elle, la métropole de Midgard est devenue une ville toujours éclairée qui ne dort jamais. Et s'est hissée au rang de première capitale du monde moderne. Que des foutaises tout ça. On peut pas nier que l'énergie Mako améliore la vie des gens. Avoir plus de confort, ça ne fait qu'endormir les consciences. Moi aussi, je croyais à tous ces trucs avant. Franchement, ça me fout les boules quand j'y repense. Toutes nos félicitations! Vous êtes maintenant un expert Shinra! Vous pouvez vous rendre au 61e étage que nous utilisons pour développer de nouvelles technologies. Veuillez vous rendre au hall des médias visuels pour continuer la visite. À cet étage, le hall des médias visuels, la Shinra met en œuvre les dernières technologies pour créer un tout nouveau genre de cinéma à apprécier avec vos 5 sens. Nous espérons que l'expérience vous plaira. Y'a que dalle ici. Attention! Sous le nom d'Anciens. Ce sont eux qui ont rendu notre monde habitable. Ils se servaient de l'énergie qui sommeille au plus profond de la planète. Cette énergie indispensable que nous utilisons tous les jours, c'est bien entendu la Mako. Et ce n'est pas tout.
Les anciens possédaient non seulement la Mako, mais ils possédaient également le savoir-faire pour l'exploiter. Certaines des matérias que nous pouvons trouver aujourd'hui sont des témoignages de la fantastique technologie de l'époque. Comme le dit le célèbre dicton, nous autres, de la planète nous naissons, avec elle nous parlons, et sa voix nous écoutons. Et un jour, à la terre promise, nous retournerons. Le bonheur suprême nous attend, sur cette terre du destin don de la planète. Cependant, cette civilisation est de nos jours éteinte. Il y a 2000 ans, un astéroïde s'est écrasé sur la planète, causant la fin des anciens. Une question demeure. Ce peuple a-t-il fini par trouver sa terre promise? Malheureusement, nous ne le saurons jamais. Les siècles ont passé, et la compagnie Shinra continue de nos jours à poursuivre l'œuvre des anciens, en conservant de nouvelles méthodes pour transformer et exploiter la Mako. Un climat très doux, une nature luxuriante, et surtout, une source de Mako inépuisable. Tel est le paradis qui, quelque part sur notre planète, attend patiemment notre venue. Nous, à la Shinra, considérons que notre mission est de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour trouver cette terre promise des anciens. Nous n'arrêterons pas avant que ce rêve, votre rêve, ne se réalise. Hein ? C'est fini ? C'est vraiment étrange. C'est bien la première fois de ma vie que je tombe à court de Saint-Doux. Du thé sans matière grasse, pour moi, ce n'est que de l'eau amère, aucun intérêt. Non, ça peut pas être... Putain, j'ai encore la tête qui tourne à cause de leurs conneries. Ils ont pas honte de nous montrer une vidéo pareille. Ça m'étonnerait pas que des enfants aient été traumatisés. C'était pas un simple film. Cette grosse météorite, c'était quoi? Ben, c'était des effets spéciaux, non? Toutes nos félicitations! Vous êtes maintenant un maître Shinra! Vous pouvez désormais vous servir de vos connaissances pour vanter les qualités de la Shinra autour de vous. Vous pouvez maintenant vous rendre à l'étage suivant qui regroupe les savoirs les plus importants amassés par la Shinra. Au 62e étage se trouve la bibliothèque. Eh ben... Oh. Ah. Je vous attendais avec impatience, cher membre d'Avalanche. Je me présente, Art, pour vous servir. Quoi ? Monsieur le maire m'a demandé de venir à votre rencontre. Le maire de la ville ? Tu veux dire Domino, le toutou de la Shinra ? Lui-même, le maire de la ville de Midgar, fleuron mondial du génie Mako, j'ai nommé Monsieur Domino. Nous avons détecté une erreur système inhabituelle dans le hall des médias visuels. Aussi, nous avons pensé que vous aviez peut-être rencontré quelques difficultés. Bon, et qu'est-ce que le maire nous veut, au juste? Eh bien, vous allez le lui demander vous-même.
On doit le suivre, alors. Quelque part dans cette bibliothèque. Je te jure, mec. Si c'est un piège, tu vas le regretter. Monsieur le maire vous attend. Où est-ce que vous allez comme ça? Attends, on est où, là? Oh, vous voilà enfin! C'est pas trop tôt. Je suis le maire de notre magnifique Midgar, la cité Mako. Domino, enchanté. Vous n'avez pas été des plus discrets. Quoi? À votre avis, grâce à qui êtes-vous arrivé jusqu'ici? Qu'est-ce que vous voulez? Oh, c'est pas la peine de me remercier. Après tout, à chaque fois qu'un garde vous a vu, et qu'une caméra vous a filmé, qu'un employé vous a dénoncé, j'ai intercepté l'alerte, je vous en prie. Alors? Je vois, vous ne connaissez donc pas notre faction? On travaille pour Avalanche, ça vous dit toujours rien? Non. Ce n'est pourtant pas si étonnant. Regardez autour de vous. Maire de Midgar, ça pose son homme, mais pour la Shinra, je ne suis qu'un vieux schnock placardisé au propre comme au figuré. Si on vous traitait ainsi, ne seriez-vous pas en colère? Ma soif de vengeance n'est-elle pas naturelle? Ah, alors l'affaire est pliée. S'il vous plaît, donnez-nous accès aux laboratoires. Les laboratoires? Pourquoi? Vous ne visez pas le président de la Shinra? On est venu sauver une de nos camarades. Mais bien sûr, on pourrait aussi rosser le président, tant qu'on est là. Non. Tant que vous mettez des bâtons dans les roues de la Shinra, je veux bien vous aider. On y va? Je peux vous mener jusqu'au 64e. Arrêtez, je suis sûr que vous pouvez nous faire aller plus haut. C'est tout ce que je peux faire. J'en ai bien peur. Mais vous êtes le maire. Je viens de vous expliquer. Je ne suis plus guère qu'un prête-nom. Et on me traite comme un grouillot de bas étage. On ne m'invite pas aux réunions importantes. Du matin au soir, je ne fais que classer leur paperasse. Quand je me coupe sur une feuille de papier, c'est mon cœur qui saigne. Je suis le complice de ma propre humiliation. Je les aurai. Je les aurai. Bon, d'accord. On leur en veut aussi et on va les faire payer. Alors, du calme. Allez, on respire, on respire. Faites voir votre carte d'accès.
Voilà. Avec ça, vous pouvez accéder aux installations récréatives du 63e. Et après, on fait comment? Vous cherchez l'agent d'Avalanche qui s'y trouve. Il vous donnera une carte d'accès pour le 64e étage. Le mot de passe est... Domino, c'est le meilleur! Midgar a trouvé son sauveur! Des mecs comme lui, il n'y en a pas ailleurs! Dites juste Domino et celui qui répond « C'est le meilleur !» Ce sera lui, notre collaborateur. Vous avez compris ? Qui aurait pu croire que le maire était un informateur ? Ils auraient quand même pu nous le dire, ces gros abrutis du quartier général. Bon, si tu m'en disais un peu plus sur la Terre Promise. Mets-toi donc un peu à ma place. Tu ne vois pas la pression énorme qu'on m'impose vis-à-vis de ça? Si je satisfais leur demande cupide, ils me laisseront tranquille. Et je pourrai enfin me consacrer à mes précieuses recherches. Iris, j'ai besoin de toi. Tu ressembles de plus en plus à ta mère. Je regrette tellement tout ce qui s'est passé avec elle. Les choses auraient pu se terminer bien différemment si seulement elle était venue me parler au lieu de s'enfuir. Quel gâchis, vraiment. Perdre de cette façon la dernière ancienne de sang pur. J'y pense. Tu ne voudrais pas la revoir, d'ailleurs. Mais quand je dis revoir, je veux parler de la voir à travers un microscope. Nous n'allions pas laisser pourrir la dépouille d'un spécimen aussi précieux, comme tu peux t'en douter. Nous l'avons récupéré, soigneusement étudié, sous tous les angles. Ses cheveux, sa peau, ses organes, le moindre fragment de chacun des os de son corps. Les anciens sont vraiment des êtres exceptionnels. Tu peux être fier des tiens. Ifalna était une véritable beauté, jusque dans ses cellules. Ce regard fier, ta mère avait le même. J'y pense. Ça va bientôt être l'heure de ma réunion. Ne bouge pas, surtout. Je serai vite revenu. Nous voici au 63e étage. Bienvenue à l'ère de rafraîchissement des employés Shinra. Malgré le fait qu'il soit tard, il doit y avoir beaucoup de gens qui sont restés pour s'occuper du secteur 7. Ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Restons vigilants. On doit trouver ce collaborateur. Ça marche. Profitons-en pour observer un peu comment les employés d'ici font leur travail. Ils ont l'air occupés. C'est à cause du plateau. Comment mesurer la concentration ? Ça me rassure. On passera plus facilement inaperçu. On reçoit trop de demandes de renseignements pour y faire face. Dirige-les vers l'assistant automatique. Cherchons notre agent. Y a pas l'air d'avoir de garde. On peut desserrer les fesses.
ça peut bien être, notre collaborateur. On n'a pas d'autre choix que de s'adresser aux gens qui pourraient lui correspondre. Le mot de passe, c'est Domino. C'est le meilleur, n'est-ce pas? Aujourd'hui, sur le plateau, nous recevons M. Heidegger de la Shinra, le directeur de la sécurité publique. Oui, concernant l'horrible événement auquel nous venons de faire face, la Shinra tient à exprimer sa colère et sa peine. La compagnie ne cédera pas devant ce genre de menace terroriste. Soyez assurés que les coupables seront retrouvés immédiatement pendus. Nous le promettons aux citoyens de Midgar. Hein? Vous avez compris? Ça donnera des coups d'avalanche. Et non, vous n'avez nulle part où vous enfuir. Cette ambiance horrible me rappelle les prémices de la guerre. Hmm? Vous êtes de l'armée? Ah, je vois. Ça doit être dur pour vous aussi. Vous avez trouvé les coupables, au fait? Domino. Hmm? Domino? Non, rien. Non, je ne rentre pas chez moi. Domino. Je suis au téléphone, vous le voyez pas? Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Domino. D'une pizza ou quoi? C'est quoi ce truc? C'est un simulateur. Il permet de faire des combats dans un espace virtuel. Et on peut vraiment devenir fort en faisant ça? Vous voyez pas que je suis en train de faire une pause? Qu'est-ce que vous me voulez au juste? Domino? C'est le meilleur. On m'a prévenu de votre visite. Vous voulez aller en haut, pas vrai? Exactement! Avant d'obtenir ma carte d'accès, vous allez me prouver votre capacité au combat. Hein? Si jamais vous vous faites attraper, nous aussi, nous paierons le fait de vous avoir aidé. C'est évident, non? Vous allez donc utiliser ce simulateur. Je vous préviens, ce n'est pas aussi simple qu'il le paraît. Si vous réussissez, je vous donnerai ma carte d'accès.
Maintenant, je suis convaincu que je n'ai pas de souci à me faire. Avec ça, vous devriez pouvoir accéder au 64e étage. Vous pouvez même utiliser les ascenseurs. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous cherchez à faire au juste ? Nous allons libérer une amie. Elle est retenue dans les laboratoires de la Shinra. Je vois. C'est le département du professeur Ojo. Je vous souhaite bien du courage. Seule l'équipe de chercheurs du professeur a le droit d'y accéder. On va réfléchir à un moyen. Où se trouve Ojo ? C'est bientôt l'heure de la réunion des directeurs. Le président, ainsi que Ojo et les autres, devraient tous se rassembler dans la grande salle de réunion. On y va, nous aussi ? Si on prend le président en otage, tout sera beaucoup plus simple, non ? En effet, vous serez immédiatement mis aux arrêts. J'aimerais connaître leur projet. Tu voudrais les espionner ? Dans ce cas, je te conseille d'abord de passer par les toilettes pour hommes. De là, si tu passes par le conduit d'aération, tu pourras observer la salle de réunion. C'est compris. Vous voilà. Je vous attendais. Vous avez oublié ? Je suis un chercheur en stage au département scientifique de la Shinra. J'ai réussi à garder un œil sur vos faits et gestes en m'immisçant dans le réseau réservé aux hauts responsables. Je ferai de mon mieux pour vous venir en aide. Je détecte un gain de niveau de confiance. Essayons de faire vite pour ne pas avoir l'air suspect. J'espère que vous continuerez de m'aider en récoltant les données des rapports de combat. Cloud ? Hein ? Cloud, c'est bien toi ? Cloud ! T'en fais pas, c'est Cloud, un collègue. Alors comme ça, t'es toujours en vie ? Je m'inquiétais, tu sais. Il y en a certains qui disaient que t'étais mort. Attends, bouge pas ! Je vais chercher qu'une seule et les autres. Reste là, hein ! Tu le connais ? Cloud, ça va ? Ouais. Mais ta tête ! Non, ça va. Faut qu'on y aille. C'est un sans faute. Comme prévu, la théorie d'un attentat mené par Avalanche et le Wutai fait son nid. Bientôt, ce sera l'unique version admise. Et qu'en dit le Wutai ? Rien pour le moment. Et même si ces lâches réagissent, ça ne fera que nous aider. Continuons comme ça, alors. Ah, et aussi, il y a quelque chose dont je voulais vous parler. Quoi donc ? Palmer m'a fait un rapport. Arrête. Pas la peine de le dire. Je sais très bien qu'on doit secourir Aerys en premier. Pas vrai ? Ouais. On n'a pas le droit à l'erreur. Ojo devrait être présent à la réunion des directeurs. Il faut d'abord s'assurer de cette chance. Aussi dedans ? Normalement, oui. Qu'est-ce qu'on fait ? On va les espionner. Pour ça, il faut trouver un endroit d'où les observer. Mais arrête de te la jouer comme ça ! On nous a bien dit qu'il suffisait d'aller dans le conduit depuis les toilettes, non ? On a donc qu'à demander où se trouvent les toilettes, pas vrai ? C'est pas la peine. Je vais les chercher moi-même.
Je vous attends ici. Hein? Tu vas te faire remarquer! Tifa, c'est plus sûr à l'intérieur. J'imagine que oui, mais... Mais bon... T'as raison, en effet. Quelle chance qu'il y ait personne! J'aimerais que tu vois les toilettes pour hommes des bidonvilles. Cherchons plutôt le conduit. Ça doit être ça. Je vais pas... Tu fais le guet, alors. C'est mieux. Je peux venir avec toi. C'est que j'ai pas trop envie de rester ici. D'accord. Je monte en premier. Je suis sûr qu'ils ont rien. Oui, mais on habite juste à côté du secteur 7, et en plus, le téléphone ne répond pas. Apparemment, il y a un problème avec les télécommunications. Ça doit être pour ça. Vraiment? Peut-être. En fonction de ce que les directeurs auront décidé, la reconstruction du plateau et la réhabilitation des quartiers auront lieu en même temps. Ce qui est sûr, c'est que notre département du développement urbain devra s'en charger. Par conséquent, par ordre du directeur Reeve, il faudra préparer différents projets. Pour chaque équipe, nous planifierons les travaux sur 3 ans, 5 ans ou 10 ans. Nous allons encore être débordés, mais j'aimerais que nous fassions ça vite. Est-ce que quelqu'un a des questions? Dans ce cas, veuillez attendre le retour du directeur. Je vous dis que je l'ai vu. Il se promenait dans le couloir comme si de rien n'était. Gardez vos hallucinations pour vous. Non, non, non. Il est passé tout près de moi.
si près que j'ai dû rentrer le vent. C'est bientôt fini. S'il y avait des intrus ici, mes hommes seraient au courant. Monsieur le Président, j'ai vraiment vu... Ive. Oui. J'ai reçu un premier rapport sur le secteur 7. Le nombre de bâtiments détruits est... Passons, c'est déprimant. Oh. Vous n'avez rien d'autre ? Dans ce cas, je souhaiterais parler du plan de reconstruction du plateau. Rien. Hein ? Il se trouve que l'ancienne va nous aider, alors vous comprenez. Mais nous avons l'obligation morale T'es de reconstruire. T'es vraiment mignon, toi. Seul Néo Midgar compte. Sur leur terre promise, nous bâtirons une nouvelle cité Mako. Mais, Monsieur le Président, nous ne sommes même pas certains que la terre promise... Professeur Ojo. Les résultats confirment mes hypothèses. Contrairement à sa mère, le spécimen n'est pas de sang pur. Mais il présente les caractéristiques nécessaires. Quand aurez-vous accès à la Terre promise ? J'ai une proposition à ce sujet. Je voudrais essayer une méthode qui me permettrait d'obtenir son consentement de manière forcée. Ce spécimen d'ancien est précieux. Il faut donc faire tout notre possible pour ne pas l'endommager. Vous parlez torture ? J'adorerais m'en occuper. Je pourrais mettre mon arsenal à votre disposition. Merci, mais je préfère les supplices psychologiques à la simple torture physique. C'est bien plus raffiné. Peu m'importe la méthode. Toutefois, elle ne doit pas finir comme sa mère. C'est compris. Ah, j'ai justement une idée pour nous faciliter la tâche sur ce front. Pour être clair, forcer l'ancienne à se reproduire et à mettre bas. L'idéal serait évidemment de trouver un spécimen mâle. Cependant, en pratique, les soldats pourraient faire une bonne alternative. Par conséquent, je me propose d'examiner des soldats de type S et G. En outre, je suis le seul à avoir les connaissances nécessaires en matière d'hybridation. Alors, qu'en dites-vous ? Si c'est la seule solution... Monsieur le Président ! La séance est levée. Attendez, s'il vous plaît ! C'était comment ? On a trouvé qui est notre homme. Un certain professeur Ojo, blouse blanche. Bon, on va lui faire sa fête. Faut d'abord qu'il nous mène à Aeris. On est venu pour ça. Vraiment ici, dans ces murs ? Comme c'est intéressant. Et si j'essayais de l'unir avec elle ? Quelle progéniture cela donnerait ? Non, mais c'est vrai. Il faut avant tout arriver à la faire parler. Je pourrais recourir à une drogue. En espérant que ça ne l'abîme pas trop.
On y va. Ouais.